Salut à tous, c'est Go, on se retrouve sur The Forest pour une autre vidéo. Donc, je suis démoralisé parce que j'avais fait une autre partie, j'avais un super truc, une super installation, et ouais, ça part. Et j'ai fait l'autre, là, je pensais que ça avait sauvegardé, mais non. Et donc, je suis déception, je suis dégoût. Voilà, je me prends des armes dans la tête, mon fils aussi, saloperie. Pas mon fils, hein, les arbres. Merde, j'ai pas de fils en vrai. Non, bah c'est terrible, je suis une grosse, énorme déception. Oui, 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 tu le prends, gna gna gna, je m'en fous de ce gosse, allez, prends-le, je regarde même pas. Sinon, c'est sympa, j'aime bien ce mec. Non, mais je suis grosse déception, là. Je la prends, là, maintenant. On est sur la plage, oh putain, la plage, c'est le mal. J'avais un endroit trop bien, si je retrouve l'endroit où j'étais, c'était trop bien, cet endroit. Bon, j'avais des combats, mais c'est trop simple, les combats. J'avais même pas été pris dans la grotte pour la première fois, je veux dire, il m'avait pas encore chopé. Enfin, je veux dire, c'était cool, quoi. J'avais mon installation, j'avais mis des pièges, j'avais tout fait, putain. J'avais fait même une maison et tout. Enfin, pas une maison, mais je m'étais fait des barricades et tout. Vous aurez vu ça, vous auriez été fiers de moi, bordel. Maintenant, vous le verrez jamais. Je vais prendre ça. Alors, j'ai mal à la gorge, donc je ne sais pas si ça influera sur, sur ma voix. C'est pas comme si on s'en foutait non plus, quoi. J'ai cru qu'il y a... Oh putain, je suis encore à ce bateau de merde. Il semblerait que ma vie soit vouée à croiser ce bateau, quoi. Nos destins sont liés, c'est fou. C'est à chaque partie, quoi. Je tombe sur ce bateau à la con. Alors, putain de balle, casse-toi. Non, mais non, casse pas ça. Ça sert à rien de t'énerver sur les pauvres plantes. Pas une balle, sinon je pète un câble. On ramasse ça, on ramasse plein d'alcool parce qu'on va se faire des cocktails Molotov, c'est ça la vie, en fait. Avec des cocktails, je vois pas trop ce qui peut arriver. Alors, j'ai aperçu des ennemis différents. Enfin, aperçu, ils m'ont carrément attaqué, hein, donc je... C'est le prix de lapin, tiens. Oh, il va même pas chercher. Je croyais que c'était un peu plus joueur que ça, les lapins, je suis un peu déçu. Ah oui, alors on m'avait dit que les ennemis nous repéraient au bruit quand on tapait sur... quand on coupait du bois. Alors, est-ce qu'ils me repèrent si je tape sur des valises comme un gros lourdingue? Je ne sais pas. Il y en a une là-bas, quoi, mais what the fuck. C'est quoi ce bruit, bordel? J'ai l'impression d'entendre des bruits maintenant, quoi. Parce que l'autre partie, je l'avais faite en fait en vidéo aussi. Mais je me suis dit que c'est pas ce que j'aimais pas trop, en fait. Putain de balle est là. Yeah. Je l'avais faite avec Belgian Guy. Donc on avait filmé tous les deux, en fait, chacun de notre côté, hein. Mais c'est vrai que c'était vachement plus sympa à jouer pour moi, parce que... On va pas se mentir, couper du bois c'est bien fun, mais... Mais bon. À deux, quand on parle en coupant du bois, c'est cool. Sauf que je me suis rendu compte que je suis un espèce de gros bâtard, parce que... Quand il parlait, je lui répondais pas, parce que j'étais dans l'action, quoi. J'avais un peu... Je me faisais attaquer, quoi, je répondais pas trop et je me disais c'est pas cool, quoi, je veux dire. L'intérêt est quand même assez minime pour vous. Alors c'était super cool pour moi à jouer, mais c'est putain d'effet de lumière. Et il y a toujours des... C'est le prix de mouette. Des débiles qui se font écraser par l'avion, ils le voient pas venir. Ou alors ils le voient venir, mais ils peuvent pas s'empêcher d'aller voir ce que c'est. Voilà, ils ont bien vu. Bon, alors je suis ici. Alors d'après mes estimations, qui sont forcément vraies, c'est par là-bas que je vais m'installer. Et je vais m'y installer, vous allez voir, ça va être grandiose, vous allez adorer. Pourquoi je m'envole? A mon avis, ils ont fait une autre mise à jour, hein, pour que ça sauvegarde, pour que ça ait pas gardé ma partie, parce que sinon, je vois pas d'autre explication à une telle honte, je veux dire. À deux doigts, j'étais d'envoyer une lettre aux développeurs pour leur dire ce que je pensais, hein. Ah là là, j'aurais pu les couler. J'aurais pu les couler. Faire un bon petit procès. Au revoir, bateau. C'est bon, il y a des impacts de balles sur le bateau, je ne suis pas sûr. J'ai la flemme d'aller retourner voir. Bon, ok, alors c'est le lever du jour. Oh bordel, j'avais oublié ça. Il y a des dizaines de millions de valises, quoi. Des trilliards de trillions. Et oh putain, ça ouvre même pas une valise, c'est de la merde. Alors je sais que les ennemis passent par là. Je vais pas trop m'attarder non plus, mais... Encore c'est... Mais qui c'est qui garde des balles de tennis dans son truc, quoi? Qui c'est qui garde une balle de tennis? Ça, c'est ce que je disais à Belgian Guy. Qui c'est qui garde une balle de tennis, quoi? Elle est signée par Federer ou je sais pas quoi. Et le gars l'avait, en mettait dans plusieurs valises, quoi, je sais pas, il avait la collection de tous les joueurs. C'est dingue, quoi, je veux dire, tu prends une boîte, tu prends pas juste une balle comme ça dans ta valise, ça n'a aucun sens. Mais tiens, au cas où je fais un tennis, j'ai une balle, quoi. C'est pas mal. Mais casse-toi! Putain! J'en ai marre de ces balles. Ouais, alors je sais que mon rythme de vidéo a assez diminué, mais j'en ai marre de taper des valises. Je vais pas toutes les taper, bordel, j'en ai pas besoin. Assez diminué ces temps-ci, je sais, c'est terrible, c'est atroce. Ça dépend pas de moi, c'est pas de ma faute, c'est... cause d'un autre être démoniaque, je m'excuserai pas. Non, je suis désolé, mais bon, c'est la vie, hein, je veux dire, voilà.
Alors ici, il y avait un truc que j'avais pas compris. C'est cette encre. Je veux dire, comment cette encre est ici? Je veux dire, il y a le Titanic qui s'est échoué là, il a laissé son encre. Cette encre, ce genre d'encre, mais n'importe quel genre d'encre, c'est pas trop secoué par les vagues. Vous voyez ce que je veux dire? Comment le truc est arrivé là? Je veux dire, il y a juste l'encre. Et les gars ont... Ah oui, il y a une tente là-bas. Les gars ont clairement pas tiré l'encre sur la côte comme ça a aucun sens. C'est beaucoup trop lourd. Alors, où est l'épave du bateau qui a laissé l'encre? Je ne sais pas. Mais non, non, non. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Alors là, ça je vais taper dessus, mais il y a un bug qui fait qu'on peut crever avec ça. Je ramasse juste, voilà, histoire de ramasser des trucs. On a notre bâton de... Voilà, pour pêcher. Alors, je sais m'en servir maintenant. Vous avez laissé plein de commentaires utiles, je vous remercie. La vidéo a un peu explosé, je sais pas pourquoi, je la trouvais pas terrible quand je l'ai mise en ligne, pour être honnête, mais... Écoutez, si vous avez aimé, c'est tant mieux. Je vais par là-bas. Bon, là, je sais où je vais à peu près, parce que je m'en rappelle. Là, il y a une grotte, mais elle est sous l'eau, alors c'est juste totalement débile. Surtout que l'autre fois, il y avait le coucher de soleil, j'étais dans la grotte, mais je voyais le reflet du coucher de soleil sur l'eau de la grotte, c'était... C'est assez terrifiant si vous me demandez mon avis. Ça c'est cool. Hop, je ramasse tout. Ouais, gargantuesque que je suis. J'ai plus de place pour les jambes. Ah, ça c'est triste. Hein. Moi j'ai toujours de la place pour les jambes, mais bon. Écoute, le gars il s'est craché, j'allais dire. Je veux dire, s'est craché. Vous voyez, comme s'écraser, j'ai mis s'est craché quoi dedans. Bon, je sais pas ce que je dis. Ok, alors l'autre fois j'ai jugé bon de m'installer par là. Derrière cette pierre. Hein. Et il y avait des gars en fait qui passaient juste devant, donc bon. Écoutez, en même temps il y avait une grotte à côté. C'était par là-bas, on y est presque, alors arrêtez, calmez-vous, parce qu'on arrive. Restez calme, je vais pas faire de coupure au montage pour ça. Quand je vais couper du bois et tout peut-être, mais je sais pas. Je sais pas, je sais pas, alors calmez-vous. D'ailleurs j'étais en train de penser là. Enfin j'étais en train de penser, j'y pense maintenant. J'étais en train d'y penser, je veux dire maintenant quoi. Il y a des barques, donc pourquoi tu te fais pas juste un bateau et tu tentes ta chance? Quitte à rester, je veux dire. Hein, c'est les mêmes chances, je veux dire, c'est 50-50 quoi. Rester sur une île avec des cannibales qui te traquent ou prendre le large et essayer de survivre avec des snacks et tout ça, je veux dire, t'as des réserves, t'as de l'alcool, t'as tout ce qu'il faut quoi. Tu peux te faire plaisir, donc je ne comprends pas ce choix. Oh, il y a un truc qui roulait vers moi. Ok, alors on arrive. En plus, il y a la montagne, donc c'est sympa ici, c'est sympa, il y a de l'alcool sur la plage. J'avais tout prévu, bordel. J'étais content de moi parce que j'avais déménagé 2-3 fois avant de trouver mon endroit, mon petit coin de paradis. Et il y avait de l'alcool sur la plage, alors en fait quand on sauvegarde, on m'avait dit il y a tout l'inventaire qui se supprime. Donc moi, malin que je suis, j'avais besoin de l'alcool pour faire mes cocktails et je m'étais dit bon bah je vais me foutre à côté de la plage, sauvegarde et hop, au pire je récupérerai mon alcool. Mais ça n'a pas sauvegardé, et non, ce serait un peu trop simple. Alors j'ai pas la hache, la bonne hache qu'on trouve dans la grotte parce que je me suis pas encore fait capturer par les ennemis. Et dans notre partie, je m'étais pas fait capturer non plus. Alors voilà, je vais me foutre là. Voilà, c'était par là que j'étais. Et autant vous dire que j'y étais bien. Vous voyez, c'était mon petit coin, quoi. Mon petit coin à moi. Je vais m'y refoutre. Je crois que c'était par là, non? Ouais, j'étais là, je crois. Écoutez, on va couper celui-là. Voilà, là, ça commence à être sympa. Ah, il y a des baies là-bas, donc je les mangerai après. C'est vraiment cool ici, parce que les ennemis passent. Ils passent là-bas, vous voyez, là où je regarde, là. Et ils passent aussi là-bas. Mais des fois, ils nous attaquent, mais bon, on s'en fout, parce qu'on a les cocktails Molotov et... Et je veux dire, cocktail Molotov égale God. On est Dieu, surtout qu'on peut en crafter des trillions. Je sais pas, moi. J'avais un bug peut-être, mais. Hop, on va crafter. Alors, oui, il fait nuit quand on ouvre l'inventaire. Alors, chut, chut. Be quiet. On va. Voilà, on va faire ça. Hop, on va s'en faire quelques-uns. Vous voyez, j'ai l'impression que. L'alcool ne diminue pas. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, tu t'en fais à l'infini, tu te fais des cocktails. Je vais m'en faire que 4 parce que le gars, je ne sais pas, quand on le déséquipe, il le lâche par terre et on le crame. Ce qui est assez moyen. Je vais faire une bombe aussi parce qu'on m'a dit comment faire. Alors, attendez, comment c'était? Oui, voilà. Oh là là là! Merde, c'est pas ça. C'est avec des pièces et. Des pierres. Non, attendez. Putain, j'avais trouvé l'autre fois. Oh, pas des snacks. Ah, la déception. Écoutez, alors je sais que c'est avec ça, des pièces. Voilà, c'est terrible là. Ah bah, je suis débile aussi, qu'est-ce que je mets? Attends, je peux faire des crafts avec ça, mais c'est. Il y a les têtes, j'avais pas vu. Bon, écoutez, on s'en fout, je retrouverai après, donc calmez-vous s'il vous plaît. Alors là, par contre, il y a ça qui a roulé du coup. On va juste se faire. Fuck l'abri, là je fais un gros fuck à l'écran, vous pouvez pas voir, mais. Fuuu! Ça sauvegarde pas! Donc je vais me faire mon custom et je vais me faire un petit mur défensif. Parce qu'il faut, je vais le faire là. On va ramasser les troncs d'arbres vivement, une mise à jour qui empêche... Attendez, j'ai l'impression que c'est ça, justement. Qui empêche les troncs d'arbres de passer à travers tout ce qui y touche. Attendez, est-ce qu'il va passer à travers de la pierre? Il va pas faire chier à passer à 1 mm de la pierre, quoi! Juste pour pas que je sache!
Non, parce que c'est assez atroce. Il y a un arbre dans une pierre, j'avais pas vu ça. Alors là, je. Non, le jeu me déçoit. Je déconne, bordel. Si je m'arrêtais à ça, j'y jouerais pas bien longtemps à ce jeu. Hein. On va couper ça. Je vais m'accroupir parce que j'aime bien le voir quand même taper en face du tronc, sinon ça m'énerve. Bon, écoutez, je coupe pas ça. Hein. Fuck, je veux dire, je suis dans la solitude, vous le saurez avec moi. Oh, il y a une saloperie. Ça, il faut que je le tue. Donne-moi ton armure. Ça, on les tue, ça nous donne l'armure. Yeah, boom! Yes. Aujourd'hui, j'ai tué. Et c'était délicieux. C'est bon? Faut croire. S'il y en a d'autres, vous me le dites, hein. N'hésitez pas. Criez devant votre écran. Chialez que je l'ai pas vu. Tu vas me tomber dessus, ça a pris. Non, ça va. Il tombe sur mon mur, quoi. Bordel, il est à peine. Il est en train d'être conçu, quoi, mon mur. C'est encore un fœtus et il veut tomber dessus, quoi. Hop. Je réfléchis pas trop où je le place, mais on s'en fout. Tant que ça fait une espèce de forme qui me permet de me mettre à l'intérieur sans être à découvert. Ils arrivaient pas à rentrer dans mon fort, hein, je crois. Ils y arrivaient pas. Ils avaient pas la présence d'esprit de passer la porte. Ils se disaient, non, comment je fais là? Il y a une porte, bordel. J'ai pas envie de couper les baies, donc. Donc Michael s'attendra. Michael Bay. Le niveau des blagues est horrible. Écoutez, faut bien que je profite là. J'ai du punch. Il est que 1h30 du mat. J'ai du punch. Bordel. Ma triste vie, quoi. Ma triste vie. Sauvez-moi de la monotonie. La tombe là-bas, c'est bien. J'aime bien qu'il tombe à peu près sur du plat parce que sinon il roule dans les pentes. C'est juste insupportable. Je me rappelle courir après des choses. Ces saloperies de troncs là qui. Oh bordel, comment ça s'appelle ça? Une bûche? Non, je ne sais pas. C'est bien trop gros pour être une bûche. Je ne sais pas. Je me rappelle courir après. Elle partait dans la mer et je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes et abondantes larmes. Comme ça, on s'en fout tant que ça se touche, il passe pas. D'après mon expérience, quand même. Assez énorme, vous n'allez pas mentir. Je vais laisser quelques arbres, je veux dire, c'est quand même plus sympa. J'ai coupé un truc que j'avais pas besoin de couper. Ça, je vais le payer quand je serai mort, hein. Je vais aller en enfer parce que j'ai coupé un truc que j'avais pas besoin de couper. Ça va être terrible. Coupe-moi ça! Voilà, ça, j'ai besoin de le couper, c'est pour m'assurer. Ça, j'ai toujours l'impression que c'est une espèce de dragon de Komodo de merde. Et non, c'est une pierre. Hop! C'est vrai que je suis shooté là, comment je parle, mais bon. Écoutez. C'est vous mon shoot. Je vais shooter à vous. Alors attendez. Oh bah là il fait jour dans l'inventaire. Écoutez, l'inventaire a des manières bien sombres et de la brume, mais bon. Écoutez, laissez l'inventaire où il est. Chacun chez soi et les chefs seront bien gardés. Allez. Bon ça va assez vite à construire cette saloperie de mur. Alors attaquez-moi bande de biatch, ils m'ont toujours pas trouvé. C'est ridicule. Je crois qu'ils sont obligés de nous trouver hein, de toute manière la première nuit. Coupe. Il a coupé les baies. Attendez, il les a mangés. Ah non, j'ai mangé un snack. Ah oui, je l'ai mangé pour l'endurance, le snack. Je sais pas si... Vous l'avez vu, vous? Non, reviens! Reviens, je t'en supplie! Non, pas dans les baies. Je peux pas taper les baies. Yeah! Quel con, quoi. Bordel. C'est aussi simple de les tuer. Je vais vous dire qu'au Vietnam, on avait un peu plus de mal à les choper. Hein. C'est... Saloperie là. Alors, je vais mettre les armures avant d'oublier. C'est pas vous hein, qui allez me le dire, hein, de manière qu'il faut que je mette... Oh non, commence pas, j'ai eu un bug. Ya! Ya! What the fuck? C'est moi, ils font exprès d'en mettre plein au début. Ah oui, alors si vous les tuez, parce qu'ils grimpent aux arbres, si vous les tuez qui sont sur un arbre, regardez pas leur cadavre en bas. C'est quoi ça là-bas? Ah, j'ai cru que c'était un gars. Ah, voyez, il y en a un sur un arbre, je vais vous montrer parce que ça. C'est cool d'ailleurs qu'ils soient aux arbres. Hop, je le tue. Et regardez, c'est marqué en haut. Regardez pas leur cadavre, moi je comprenais pas. J'essayais de ramasser sur un cadavre. Il faut regarder là où ils étaient en fait. C'est les mystères de la science, encore une fois. Alors là, je suis Iron Man, c'est bon, c'est fini. Arrête de regarder ta main. J'avais ce bug horrible où le gars regarde. C'est le prix de lapin. Non. Bordel. Je sais pas comment on peut les capturer parce qu'on peut faire des cages à lapins et on est censé les foutre dedans pour qu'ils se reproduisent dedans. Comme des monstres, comme des scientifiques fous qui expérimentent. Et je sais pas comment les cap. Ok. Venez, bande de biatch. Venez, 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 je t'ai entendu crier. Vas-y, viens. Tiens, je t'envoie un arbre. Tombe. La chute d'un titan. Dernière mèche des Ents. Ok, alors là, c'est pas un mur très. Non, non, c'est pas un mur très.
très cool, mais je vais foutre à travers la pierre parce que je suis un gros thug, ça c'est. Est-ce qu'il est à travers. Non, ouais, il est à moitié à travers la pierre, donc calmez-vous. Je suis à moitié un thug. Ramasse ça, please. Voilà. Ah, trouvez-moi, trouvez-moi, je m'en fous, je vous attends. Je vais vous défoncer, les gars, vous allez repartir la queue entre les jambes. Non, vous allez même pas repartir, je vais en laisser aucun. Ok? Venez, 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 je vous attends. Je vais laisser des arbres en fait vers la côte aussi, je le redis ça, parce que voilà, je suis un thug. Parce que ça me cache un peu d'eux quand même. Je pense, hein, dans toute mon innocence. Mais je crois pas que leur champ de vision est encore bien implémenté. Je veux dire, quand on est sur une plage. L'autre fois j'étais sur une plage et j'étais vers l'eau. Et je veux dire, ils étaient à 50 mètres de moi, mais j'étais sur une plage quoi. Donc je veux dire, tu vois quand même un mec accroupi sur une plage comme ça, en plein jour. Et il me voyait pas, alors je pense que. Leur champ de vision, vous voyez, il s'adapte pas aux obstacles comme les arbres et tout ça. Donc vous pouvez juste vous accroupir et prier, quoi qu'il soit assez loin. Je pense que c'est ça, hein. Je vais pas vous faire de la peine, les gars, je suis désolé. Ah, désolé, hein, je pète tout ce à quoi vous croyez. Je suis comme ça, moi, je suis briseur de rêve. Ça, ça me saoule un peu, oui. J'en ai juste une qui me reste dans la main à chaque fois. Encore une pierre, ça le prix. Je vais pas le faire trop grand, ce truc. Juste ce qu'il faut. Moi, je vous montre comment survivre, les gars. Je pourrais appeler ça tuto si j'étais un lâche. J'appellerai pas ça tuto, j'ai pas assez de. J'ai pas. Je suis pas un monstre à ce point-là, bordel. Appeler ça tuto, ce serait une honte. Choper ça. Tu vas tomber nanana, sur un oreiller. Nanana. Mais vous connaissez pas ça? C'est bien triste. Connu de par le monde. Vous êtes sans doute trop jeune. Vous avez pas connu ce que j'ai connu. Le Vietnam et tout ça. Je vais vous dire qu'on en coupait des arbres. Il ressemblait pas à ça, cela dit. Les arbres sont géants dans ce jeu. C'est quoi, il y a les bordels. Allop. Passe-moi ça. Sans manger les baies. Glouton que tu es. J'ai toujours peur de me faire attaquer, vous voyez, parce qu'ils font pas trop de bruit, hein, les saloperies d'ennemis, quoi. Pour ça, je suis toujours en train de regarder autour de moi, parce que... Ils arrivent en fourbe, quoi. Et toi, tu fais une crise cardiaque, une saloperie. Ah, putain, c'est encore la pierre, elle m'a encore feinté. On va couper ça. Je vais essayer d'être moins cocaïné, là, parce que... Je dis n'importe quoi, bordel. Ouais, ça, c'est parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, là, ça me... Bon, faire des vidéos avec Taiki, c'est pas mal, mais bon, faire des vidéos tout seul, ça va aussi. Je sais bien que vous préférez Taiki, mais merde quoi. Tombe pas sur. D'accord. Sans gêne. Quoi ce bruit? Quoi ce bruit ignoble? Alors, ouais, ce bruit des arbres aussi, je ne le supporte pas, je vais vous le dire. Ces bruits là, tu coupes un arbre, déjà le bruit de l'arbre qui tombe est décalé, mais en plus, tu perds tes oreilles, c'est dingue quoi, c'est. On vit où? On est où là? Ça, c'est quand même pas mal fait pour placer ces trucs, je veux dire, c'est. À part que moi, j'arrive pas. Je sais pas, si vous savez ça dites le moi, c'est une âme en détresse qui vous parle. Je ne sais pas annuler, voyez ça. Comment je fais pour annuler le plan de construction? Parce que c'est terrible quoi, tu loupes ton truc et c'est bon, c'est... It's the end of the world. Oh putain, oh, t'es pas obligé de te planter la tête dans l'arbre. Planter les dents dans l'arbre. Pas vrai ça. J'aimerais bien aller dans la montagne pour voir. Ça ils vont l'implémenter hein, je crois, on m'a dit, le belge m'a dit qu'ils allaient l'implémenter. Ah, il savait des choses, hein, le belge. Hein. Il lançait beaucoup plus que moi. J'allais dire une insulte totalement gratuite. Pas violente, j'allais juste dire salopard. J'avais pas besoin de dire ça, quoi. La violence gratuite. Yeah. Ouais, merci pour mes oreilles. J'apprécie. Je m'en servais plus trop, tout meilleur ces temps-ci. Oh, celui-là, il en donne plus. Voilà. Ça devrait être assez grand, donc on va faire. Comment j'annule? Aïe aïe aïe, je veux annuler. Bordel. Bon, on va en faire un comme ça. Ce sera pas perdu. On va le foutre. J'ai appuyé sur E. Ok, calme-toi. D'accord, il ne veut pas le foutre. J'en déduis un signe de lâcheté intense. Alors, attendez, c'est terrible là ce qui m'arrive. Pourquoi tu me fais ça? Bordel de Dieu. Ah voilà, CB. Je me rappelais plus de la touche quoi, mais vous vous rendez compte de ça? Voilà, il me faut un truc avec porte. Je vais foutre là. Putain, je m'étais fait mon abri à l'intérieur et tout, il y avait plein d'oiseaux quoi. C'était trop cool. On était bien heureux quoi. Et le jeu a pas sauvegardé, mais c'est. Vous voulez que je vous dise moi? Ah, c'est la nuit qui arrive. Le viol devrait plus être très loin. Alors, où est ma dernière? Oh, ça c'est terrible. Quand ça arrête de clignoter, là, les bûches, tu les trouves plus, quoi. Saloperie. Morceau de tronc. T'iras pas loin, je te retrouvais, bordel. Bon, je te laisse.
Je laisse courir pour cette fois, il y a une saloperie de lapin, croyez pas que je l'ai pas vu. Pauvre lapinou. Attends, ça lui apprendra à avoir beaucoup trop confiance en l'homme. Je suis suspicieux tel le fennec. Oh, je t'ai vu. Ok, venez, 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 motherfucker. Vous êtes dans les ghettos là. Ouais, ouais, ouais. Je sais que vous êtes là. J'ai fait mon armure artisanale. Ah oui, ce que je voulais essayer aussi, c'est faire des feux autour de ma base. Beaucoup de feux, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Vous m'avez dit dans les commentaires que c'était bien. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. J'étais assez surpris. Je vous ai vu courir, bordel. Putain, venez pas par derrière, sinon là, je pète un câble. Et je fais brûler toute la forêt, là. Je fais brûler, là. Avec... J'ai assez d'alcool pour faire brûler toute cette putain d'île. Mais forcément. Putain. Je peux dire qu'au Vietnam, on a fait brûler des forêts, alors je m'arrêterai pas. J'ai faim, tiens. Oh, je mange des baies devant vous. Oh, ça redonne que dalle. Ils sont ces salopards. Ils sont passés juste à côté. Ils viennent pas, peut-être. Non, mais eux... Oh. Oh. Ok. Ouais, les gars. Je me fous en feu. Je pète mon armure parce que je suis un thug. Je suis plus Iron Man du coup. Arrête de regarder ta main. Commence pas à voir ce bug. Si tu as ce bug. Putain, ils sont là-bas, je les vois. Je sais pas s'ils vont pas me trouver. Ils sont pas obligés de nous trouver, ces salopards. J'avais pas commencé à couper un arbre aussi. Puis j'ai fini le travail commencé. On va peut-être voir le feu là-bas. Allez, écoutez, on va se faire. Est-ce qu'ils vont me trouver? J'ai peur de couper un arbre maintenant, du coup on m'a dit que le bruit ça attirait. Bon, allez, je suis un malade. Je ne vis pas par la crainte, vous voyez. Je vis en homme libre. Parce que voilà, c'est aussi ça, être un gros dingue. Voilà, un gros dingue. J'ai un peu peur quand même, cela dit. Je suis pas très rassuré, je vois que dalle en plus. Vous y verrez mieux que moi, il y a toujours cet arbre qui brûle là-bas à cause de mes actions. Non, merde, je pouvais pas le couper. Finalement. Putain, c'est une plante dans ma tête, merci. Putain, par là-bas, par là où ils étaient quoi. Oh mais là si vous croyez que je vais pas aller chercher. Pff. Allez, je suis un malade moi les gars. Putain, je vois que dalle. J'ai une petite lampe allumée chez moi quoi, ça m'éblouit la tête. Ça fait un contraste. Je ne vois que dalle. Je vais éteindre cette saloperie de lumière. Je vais me péter les yeux devant ce jeu hein, rien que pour les voir. Ah voilà. Demain, je suis aveugle parce que j'ai joué dans le noir. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas mal. Bon, là, je peux passer à travers du coup. Ah, mais non, putain, je peux pas passer à travers. Ah, ouais, non, mais ils sautent par-dessus. Ils ont pas d'âme. Oh, mes yeux! Le blanc! Le blanc de la page. Attendez, si je fais ça. Ouais, voilà, gros malade que je suis. Gros malade que je suis, je le fais rentrer dans mon truc. Je m'en fous de l'esthétisme. Ça, c'est la torche infinie, quoi. C'est. Bon les gars, on vient me chercher? On vient pas me chercher? Il y a une saloperie de serpent là. De serpent, de... C'est bien quand ils montent aux arbres, ils perdent tout leur sens, vous voyez. Ils ne savent plus comment se cacher, ils ne se cachent plus quoi. On vient vers eux, ils restent. Ils attendent la mort. Reste dans ta putain de baraque. Allez! Ouf. Ok. Ah mes yeux, ce truc à peine un petit peu blanc dans le noir, ça me casse les... Regarde pas ta putain de main parce que j'ai mis une armure. Elle est pas modélisée sur ta main, alors arrête de regarder. Merci. Alors, mes yeux. Hop, on s'en fout de mes yeux. Faut que j'arrête de dire ça, bordel. C'est pas moi qui compte, c'est vous. Donc il faudrait que je fasse des feux comme ça. J'espère que vous voyez bien, j'ai bien entouré. Et je vais en foutre de partout. De partout. Et j'avais fait quoi? J'avais fait ça. Un petit jardin, je m'étais fait dans ma petite base. Et je vous dis, ma base, j'étais content. En fait, ça fait des baies, ça. Ça fait des baies et ça nécessite que deux bûches. Et ce putain de feu, ça va pas m'arranger. Hein. Je veux dire, bordel, quoi. Le truc, on le voit tellement. Bon, écoutez, j'ai pas envie de travailler la nuit. J'ai jamais été le genre de gars qui travaille la nuit. Donc, faire mon petit... Ah, non, mais ça prend de la place, cette merde. Ça prend de la place, cette merde d'abri. Je veux dire, après, je vais me faire un gros abri, donc... Allez, arrête tout, arrête tout. Ah bah c'est comme ça en fait qu'on annule un plan, ok. Bah non, je l'avais pas posé, merde, donc c'est pas ça que je voulais dire.
J'espère que vous avez compris. Quand on voilà, par exemple, ça, je veux l'annuler. Comment je fais quoi? C'est la question. Vous n'avez pas la réponse. Hein. M'attaquez pas. Je coupe du bois. Je coupe du bois la nuit déjà. Alors merde. Hein? Répondez-moi si vous êtes là. Ce serait pas mal que vous m'attaquiez, hein. Que je montre mes talents de combattant. Bien vu, tout à l'heure, j'ai lâché un cocktail Molotov sur mes pieds, c'était assez... Tombe dans mon... Non, je vais couper. Ah, je sais pas si ça influe le sens dans lequel on coupe. Ok, ce bruit dans la nuit. C'est cool. Yeah, en marche arrière. Là, je me retourne, il y a un gars dans ma tête. Non, mais je vous dis, c'est cool, ils évoluent. Après, ils viennent avec des armes et tout, c'est pas mal. Ou alors, ils sont toujours venus avec des armes et je l'ai remarqué juste une fois, mais... Est-ce que j'ai dit que j'étais un bon observateur? Est-ce que j'ai dit ça? Répondez à ma question. Non, j'ai pas dit ça. Alors, chut. Coupe ça, voilà. Perdant nos yeux au passage. Pourquoi il m'attaque pas? Ça me surprend là qu'il m'attaque pas la première nuit. Je croyais que c'était le rite de passage. Limite, me foutre sur la plage pour les voir arriver, c'est salaud. Salaud! Il y a une bûche, ok. Oh là, il y a une torche là-bas, non? J'ai cru voir un truc lumineux. Il manque qu'un bordel, je vais couper un arbre entier pour ça. Oh là là. Mon petit cœur se brise à l'idée de te couper et de te gaspiller. Hé, les rimes. Plus de bruit, s'il te plaît. Une toile d'araignée? Oh, mais c'est énorme. Une toile d'araignée? Oh, ils arrivent! Oh, là j'ai entendu le petit... Ok. Oh! Tu sais qu'ils veulent t'attaquer quand t'entends des bruits de pas. Allez. Ok. Ok, ok, chut, chut. Oh les gars, calmez-vous là. Non, non. Dans une guerre, il y a une toute bonne guerre qui se doit, on laisse le guerrier se préparer, bordel. Il y avait pas un tronc d'arbre pas loin. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je te crame, moi. Quoi? Tiens. Voilà, les torches humaines, là. J'ai peur qu'il y en a derrière moi, bordel de merde. Le con, il s'est mis dans le feu. Oh là, tu fais quoi, toi? Tu seras pas un héros. Non, je crois qu'ils ont des armes dès le début, je dis de la merde. Où est-ce qu'il est, ce con? Il a fui. Et ouais, ça c'est leur espèce de leader spirituel qui crame. Il se casse, l'autre con, là-bas, il va chercher du renfort. Oh, je vais tellement faire des effigies avec vos fesses. Sauf que j'ai pas envie de garder ce cocktail Molotov dans la main. Il est parti par là-bas? Hein? Imaginez, je l'ai eu, ce serait grandiose. Je vais me laver à la mer parce que je suis couvert de leur sang. J'aime pas trop être couvert du sang des Mohicans. On va aller dans l'eau. Hop. On fait trempette. Voilà. Le ciel est pas mal sur ce jeu. Surtout sur les bords. Surtout sur le bord gauche. Quelque raison que ce soit, la vue est plus permissive, vous voyez. On voit mieux les étoiles, c'est assez étrange. Je sais pas si ça se verra en fait, vous voyez, mais bon, j'ai l'espoir d'un fou. Le ciel est pas dégueulasse, moi j'aime bien le ciel dans les jeux. Cela dit, bon, il est pas fantastique non plus, hein. C'est un JPEG, ça va, on va pas s'extasier devant les JPEG où on va là. Calmez-vous, bordel. Voilà. Oh putain. Et vous savez là ce qu'il faut que je fasse? Ok, c'est encore le même con. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là, esquive rotative, mec! Oh le con. Non, tu m'attaques pas tout de suite, bordel! Calme-toi, bordel! Il m'attaque pas pendant que je fais l'inventaire, quel con! C'est criminel! Non, non, pas maintenant! Oh. Allez! Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas te louper. Oh, je vais pas. Viens là, putain! Oh, tu crames! Tu crames! Ah bah oui, ah bah le feu ça brûle, tiens! Oh! Oh! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu brûles à côté d'un oiseau qui en a rien à foutre. Oh, tu es mort. Comme ton père! Alors attendez. Je ramasse un petit peu des membres divers et variés pour entrer dans ma collection. Attendez, on va juste manger un snack. Parce que gros fatigue. Il y en a marre. Ah, les snacks ça descend par contre, hein. C'est pas comme l'alcool où ça reste à. Ah non, ça a même monté parce que j'ai dû trouver une bouteille encore. On va s'en refaire. Vous voyez, on peut s'en refaire en combat en fait si on gère. Voilà, 4 ça suffira parce que j'ai pas envie de me brûler pour la lâcher. Putain, y'a plein de. Ah oui, bah j'ai pas dû ramasser du coup. Et j'en ai pas besoin en plus, je crois là. Ah si, j'en ai besoin pour mon petit jardin. My garden. My garden. Hop, voilà.
petit jardinou. Je crois, là, il faut planter des plantes médicinales qu'on trouve. Alors, je ne sais pas, je crois. Alors, ne m'insultez pas, parce que, bordel, on va foutre... Petit abo... non, j'ai pas envie, en fait. On va foutre un feu. Un vrai feu. Un vrai, vrai feu, là. On va foutre... Voilà. Un feu comme on en fait peu. Attends, je vais le mettre là, parce que j'ai envie de me cramer avec en rentrant. J'ai envie que ça crame les plantations aussi. Il manque. Putain. Il y a une pierre là déjà. Pierre là. Bordel, ce feu de l'infini quoi. C'est une torche qui dit bonjour, je suis là. Venez me tuer, s'il vous plaît. J'ai mangé un snack du coup, donc ça sert à rien que j'allume le feu. Mes yeux. Alors. On va faire. J'ai envie de faire des pièges parce que ça marche, c'est saloperie. On peut pas les remettre les pièges. Ça me trouble. Ou alors j'ai pas trouvé comment faire. Attends, il est marqué. Chaque année, des centaines de gens se retrouvent seuls et perdus dans la nature. D'accord. D'accord. Merci de me dire ça. C'est pas. Le malheur des autres va pas m'apporter grand soulagement non plus. Hein. Je suis pas de ces gens-là. Enfin, si un peu, mais bon. Alors, attendez. Piège. On va se faire celui-là, parce que celui-là, je l'aime bien. Happy birthday trap. Est-ce qu'il va être dans le bon sens? Alors attendez, quel est le bon sens déjà? Putain, ils sont partout ces gens-là. Alors toi, vas-y, viens, t'es pas le premier. T'es pas le premier qui a des idées rigolotes, là. Viens, t'es avec ta bande? Ah, t'es avec ta crew? Allez vous cramer dans mon feu. Ah oh, la conne! Oh putain, les filles me terrifient dans ce jeu, c'est elles qui me tuent à chaque fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, tu cours? Oh, le con. Mais cramez-vous! Cramez! Merde! Y'en a plus qu'un. Mais ils fuient! Mais ils se foutent de ma gueule, ils aiment pas le feu du tout, eux, hein. Putain. Non, un arbre qui brûle! Un arbre qui s'arrête de brûler d'un coup. Ah, ils vont revenir, ils avaient juste peur du feu. C'est pour ça que l'autre courait, du feu! Je peux pas passer à côté. Et heureusement qu'ils connaissent pas les esquives rotatives en pivot inversé, hein, parce que... C'est un secret bien gardé par les maîtres. J'avais pas la faim, vous le savez, je peux pas. Maître chocolatier, Clint. Revenez, je vous vois courir dans. Je m'aveugle un peu avec le feu. Tiens, une plume. Forrest Gump, quoi. Le moment Forrest Gump. Putain, venez pas par derrière parce que là, je crie et voilà. Ils sont près de ma maison, ces cons là. Je crois. Ils sont sérieux, ces gens là? Il y a un cadavre ici. J'ai envie de faire des effigies à côté de ma maison avec tous ces cadavres. Salopard! Eh oh! Après, je vais m'arrêter, hein, parce que je veux dire, j'ai pas envie de faire une vidéo de. Bordel, ces bruits terrifiants. Les bruits des ennemis sont pas assez forts, hein, je trouve. Des ajustements à faire niveau son, ça c'est sûr. Bon, il me voit plus, c'est bon quoi. on me voit plus, ça va bien les gars. Ah! J'ai vu une activité bipède par là. Me break les balls, cela. Breaking balls, quoi. Le nouveau. Ah, nouvelle série. Venez. Oh la conne! Allez! Je t'ai défoncé, ma petite! Qu'est-ce que tu vas faire? Oh non! Oh le bullshit, quoi! Le gars est bionique! Mais non, mais si tu mets une heure à craft aussi, on va pas s'en sortir. Il est où? Je l'ai entendu, il courait à côté. Avec ses petos. Ouais, là il a disparu je crois parce que c'est le lever du jour, il m'a juste dit je me casse mais tu vas quand même devoir te cramer avec ton cocktail Molotov quand tu vas vouloir le lâcher. Je vais le garder un peu en main jusqu'à là-bas parce que ce feu éternel me dérange énormément. Et là le beau, ouais c'est sympa quand même cette vue. Et voilà les cons quoi, ils reviendront plus tard je suppose. On va lancer ça vers le coucher du soleil, le lever du soleil. Yeah. Et elle disparaît. Et je l'ai entendu se casser au loin, mais très très loin. Alors, on va se faire une effigie. Parce que je trouve ça drôle. Large effigie. Non, une effigie normale, ça ira très bien. C'est juste pour dire bonjour, quoi. On l'a fait là. Non, elle est pas pour moi, l'effigie. Attendez, dans quel sens? Oh, ça tourne de plus en plus vite. Ah non, c'est. Pourquoi c'est plus lent sur, certains terrains? Alors, on s'en fout, bordel. Pourquoi je dis ça? Il manque de tête. Attends, il y en a une là-bas. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, je le fais. Parce que je suis un monstre. Ils ont fait de moi un monstre, alors arrêtez de me critiquer. J'espère que ce feu ne brûle pas, parce que là, c'est pire que tout. En tout cas, il a pas brûlé les baies. Il les a juste réchauffés comme j'aime. Ah, il y a des cadavres un peu partout, là. Voilà, là, il y a du matériel, là.
Me tue pas en explosant. Ce serait une belle fin de vidéo, mais bon. J'en ai marre de me faire viol à chaque fin de vidéo. Il y a des bras qui volent. Oh oh. Ramener ça. Je crois qu'il me fallait juste des têtes de manière. Pas besoin d'autre chose hein, non plus, je suis pas un psychopathe. Je fais juste des... je veux dire, je fais juste des trucs avec des cadavres humains quoi, je suis pas non plus un malade. Me prenez pas pour plus fou que je le suis quoi. Je fais juste des sculptures avec des corps humains, oui, oui. Enfin des corps humains, c'est des saloperies de mutants ça, c'est X-Men qui recommence quoi. C'est une tête ça, voilà, je sais reconnaître une tête quand j'en vois une rouler, ça je peux vous le dire. Ah là là. Je suis tellement un psychopathe. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Et voilà. Quand même un certain style. Voilà. Quand même un certain style. Alors, moi, j'aurais un petit peu décalé le bras, là, pour donner un sentiment, finalement, de liberté, vous voyez. Mais bon, la sculpture est pas mal, faut bien le reconnaître. Ces pierres sont très étranges. On a des petites collines individuelles. C'est juste moi qui suis cocaïné, encore. Non, c'est elle pour arrêter la lampe, je vous le dis. Voilà, 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 on s'arrête là pour l'instant, dans mon petit fort, voilà, mon petit... Voilà, tant qu'à faire. Avec mes beaux cocaïnos. Allez, hop. Voilà. Merci d'avoir regardé. C'est sympa, là, il y a quand même du... Merci d'avoir regardé, et à plus pour la suite, si j'arrive à sauvegarder, donc, salut. The monster head. Thank you very much, everybody. Surprise, motherfucker.